ça n'avait rien de personnel. Non, 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 non. Il revient à lui. Belle, arrête les conneries! Qu'est-ce qu'a dit Perseus? Il est où? Ce que tu vis là n'est rien comparé à ce qui t'attend si tu te décides pas très vite à coopérer avec moi. On t'a donné une seconde chance quand t'étais au fond du trou. Belle, on veut seulement que tu nous renvoies l'ascenseur. Belle. Tu étais l'un des agents de Perseus. Hein ? Son associé, Arash Kadivar, t'a lâché sur le tarmac en Turquie. Laissé pour mort. Oh. L'avion quittera Trabzon pour rejoindre Douga. Ça, tu le sais. Voilà ce que tu ne sais pas. Perseus n'y sera pas. Aucun de ces mercenaires ne quittera Douga en vie. Nous jetterons leurs corps dans la forêt, et puis nous apporterons les armes à Volkov, à Berlin. Ensuite, direction Solovetsky. Mais j'ai d'autres projets pour toi. Perseus te tient en haute estime. Ah, mais c'est l'avion, c'est au tout début. Je n'aime pas la compétition. Oh. Oh la vache! On était là. On a mis la main sur toi quand tout a dégénéré. Oh. T'es un produit de la CIA, Belle. On devait remplacer ton ancienne identité par une nouvelle. Le MI6, c'était une idée de Park. Elle voulait avoir un lien avec toi. Sa façon de parler a même déteint sur toi. Et on s'est servi de tes capacités pour les langues et la cryptographie. Tant qu'à faire. Le plus difficile, c'était ta mémoire. Le programme MK-Ultra de la CIA utilise les missions d'Adler au Vietnam comme modèle. Il fallait que tu connaisses cette expérience commune, ce lien du sang, pour avoir confiance. Tu es jamais allé au Vietnam, tu vois ? Non. Tu as de la chance. Tu n'as gardé ces souvenirs que quelques temps. Moi... je vis avec depuis plus de 10 ans. Waouh! Oh la vache! T'as les mains propres, Belle? L'interrogatoire n'a pas marché avec toi, mais grâce aux recherches du MK-Ultra, on avait un plan de secours. Si tu croyais être quelqu'un d'autre, on pouvait te pousser à nous dire tout ce que tu savais. Suffisamment pour qu'on en soit là aujourd'hui, mais c'est pas encore fini. On doit faire notre boulot! On te contrôlait grâce à la phrase clé, mais on n'a pas eu tout ce qu'on voulait. Des secrets ont toujours été à l'abri derrière une porte verrouillée. Belle, après ce qu'on t'a fait, j'imagine que dans l'immédiat, tu nous détestes. Mais je tiens à ce que tu prennes bien conscience de tous les enjeux. Cette histoire n'a rien à voir avec toi ou moi.
Elle concerne des millions et des millions de personnes. Notre unique objectif, c'est de réussir à arrêter un homme dangereux qui ne suit aucune règle, si ce n'est les siennes. Alors dis-moi, où est Perseus ? Lorsque nous contrôlerons l'arsenal Greenlight, nous ferons sauter toutes les bombes depuis notre base à Solovetsky. Base de Solovetsky. C'est le moment de choisir qui tu es vraiment, belle. Où est Perseus ? Depuis notre base à Solovetsky. Eh, en vrai, j'ai envie de faire un mensonge juste pour voir un peu ce que ça va donner. Non, vas-y, j'ai pas envie que les bombes explosent. Prends la vérité, hein. Vas-y, on prend la vérité. Solovetsky. Sims, tu peux contacter Washington. Les autres, préparez-vous, on s'en va. T'as pris la bonne décision, Belle, suis-moi. T'es encore dans l'équipe. En vrai, j'ai trop envie de le faire pour voir les autres fins. Je peux me bouger ? Ah ouais, ça y est, c'est parti. C'est la dernière mission, peut-être. Perseus. C'est la Swan. Les experts de la CIA le considèrent comme la plus grande menace pour le monde libre. On vous a confié une mission importante. Celle de protéger notre mode de vie d'un immense danger. Les États-Unis et leurs alliés consument lentement tout ce qui nous est cher. Dans quelques heures, Perseus va déclencher des bombes nucléaires dans les plus grandes villes d'Europe. On ne reculera devant rien. Certains dépasseront les limites. Pour que les limites existent encore demain. On ne nous traitera ni de héros, ni de monstres. On est invisible. Quant à moi, je traque ce fantôme inlassablement depuis 13 ans. Ça suffit. Et j'espère qu'il aura... Ce sera bien fait la mise à mort de Perseus, apparemment. J'arrive par la droite. On peut remercier Belikov pour le blindé soviétique. Ça y est, tu te rends compte, Wood ? Hors de question de rater ça. Et ces salopards vont payer pour la mort de Lazare. On aura notre chance. Solovetsky est à 2 km. À toutes les unités. IEM en transit. Darfish en approche. 402. Quand ça va tomber, on aura 12 minutes max avant que les tours radio ne soient de nouveau en ligne. Notre but, c'est de détruire les canons pour dégager la ligne de tir des avions. On va virer Perseus des ondes. Ah ouais, c'est hyper sérieux, c'est... Oh. Oh là. En avant, en avant. Go, go, go. Il a une armée, le mec. Il est quoi, un pont ? Canon anti-aérien, droit devant. Attention, un lance-roquette. Woods, couvrez le flanc droit.
dans l'aile droite. Bien sûr, Adler. Adler, ici Hudson. Tu t'es occupé des canons anti-aériens. Faut qu'on lance les bombardiers. On a détruit un canon. C'est pas assez. Je peux pas risquer une frappe anticipée. On n'aura qu'une seule chance. Parce que je le sais pas, peut-être. Mais par quoi décoller quand je peux tirer, Hudson? Contact. Il me casse les couilles, hein. Faire ce pompe là. L'électricité revient. Mais alors c'est la merde. Tu vois ce que je vois? Écoute, on a plus le temps, je vais dire à Hudson de décoller. Il y a un sacré pari si le canon est pas détruit. Attention, une mitrailleuse lourde sur la crête. Wow. Hudson, lance ton bombardement. Bien sûr. Fais sortir ton équipe, Adler. Les bombardiers auront aucune chance si on détruit pas le dernier canon. Vous avez intérêt à vous brouiller. Ordre confirmé, bombardement imminent. Ben, les bombardiers seront là très bientôt. Oh. Vite. Au lieu de regarder quoi? Il est con. Qu'est-ce qu'il est con? C'est bon, monsieur le président. Ils ont arrêté les bombes. Merci, mon Dieu. Et merci, la CIA. Ont-ils pris Perseus? Non, monsieur. On ne sait pas où il se trouve. Et du côté des Russes? Toujours rien. Ils ont l'air d'être dans la confusion la plus totale. C'est peut-être l'acte d'un franc-tireur. Perseus ne suivait sans doute pas les ordres de Moscou. Ah, c'est pas vrai. Il semblerait qu'on ait des points communs, finalement. On l'a arrêté. Les tours sont détruites. Comment ça se passe en bas? Répondez! Woods, tu les as trouvés? Par ici! File-moi un coup de main! Prends ma main, Belle. Vache. On a réussi. Ceci est un message pour Perseus et ceux qui le suivront. On ne restera jamais assis, les bras croisés. On œuvrera pour le bien. C'est comme ça qu'on gagne les guerres, Belle. Du nouveau sur Kassim Javadi? Ouais. Après avoir capturé Kassim Javadi, on l'a convaincu qu'il avait plus intérêt à travailler pour nous que contre nous. La mort d'Arash Kadivar laisse un boulevard à Kassim pour prendre la tête du réseau. Grâce à lui, on y verra plus clair dans les activités soviétiques au Moyen-Orient. Mais avec notre soutien, il devrait pouvoir peser vraiment sur les affaires régionales à l'avenir. Et Anton Volkov? Volkov est devenu une source majeure d'informations depuis sa capture. En l'interrogeant, le MI6 a pu rapidement établir une liste de stations d'écoute à Berlin-Est.
Ils ont déjà intercepté des messages du KGB à des agents en ville. On a percé des trous dans le rideau de fer. Comment s'est passée l'opération de nettoyage à La Havane ? On a réussi à récupérer le corps de l'agent Azoulay dans le complexe à Cuba. Le président Reagan va contacter personnellement sa famille, et son cercueil est en transit pour Tel Aviv. Comme tu le sais, Hélène Park est rentrée à Londres. Elle va se remettre de ses blessures là-bas. Après ça, le MI6 compte lui confier les rênes d'une équipe pour retrouver Perseus. Et pour le reste de l'équipe ? Ils ont pu s'enfuir de Solovetsky avant que les Soviétiques envoient des troupes pour enquêter. On va panser nos plaies un petit moment, et ensuite on retourne au boulot. On a peut-être empêché Perseus d'agir, mais ses sbires continuent de rejoindre nos rangs, aidés par l'un des nôtres. Plus maintenant. On a descendu cet enfoiré d'Aldrich ainsi que ses principaux agents sur le sol américain. Perseus aura le plus grand mal à se remettre d'un coup pareil. Et l'Europe ? On n'a pas seulement empêché une attaque nucléaire, on a aussi éliminé le major Vadim Rudnik. C'est quand même une grosse claque pour le réseau européen de Perseus. On a aussi réussi à se débarrasser de tous les principaux agents de Rudnik. On finira bien par avoir Perseus. Hudson, tu es le Molière de l'Anglie. Et Bell ? L'air de l'Arctique. Ça éclaircit les idées, pas vrai ? Bell, t'as fait deux sacrifices extraordinaires pour arrêter Perseus. Le premier sans le savoir. Mais le deuxième, tu as pris la décision de ton plein gré. Je tiens simplement à ce que tu saches que ce qui s'est passé entre nous deux, c'était pour le bien de tous. T'es une vraie légende, tu le sais, ça ? Les héros, ça fait des sacrifices. C'est pour ça que quand je vais t'en demander un dernier, j'espère que tu comprendras que ça n'avait rien de personnel. Non, 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 non ! Ah non, mais moi je voulais pas tirer. C'est fait exprès. Qu'est-ce qui se passe ? On va le recruter. Oh non, ça finit comme ça. Oh, c'est terrible. Non. Oh la vache. En plus, j'étais pas prêt, j'étais tranquille, j'avais les mains sous le bureau, tu vois. J'avais plus les mains sur le clavier souris. Oh non, je savais même pas si en fait on pouvait tirer. Bon. Il y a beaucoup de. Il y a deux fins, plusieurs fins à faire là. Donc, je pense qu'à mon avis, je vais refaire une dernière vidéo bonus où il y aura les différentes fins et les différents scénarios parce que franchement, il y a moyen de faire quelque chose. En espérant qu'il y ait des missions différentes surtout. Par exemple, là, quand on choisit le mensonge, espérant que c'est carrément une autre mission. Voir un peu ce que ça donne. Et on verra bien. Je pense que je vais faire une vidéo bonus. Ouais, parce que pas rester sur ça. C'est pas possible. Faut voir les autres fins. Pour voir. Allez, super. À bientôt.